Alors, on se retrouve sur la chaîne pour le Let's Play consacré à Raji. On avait vaincu donc le boss de la seconde zone, à savoir le boss là qui nous, le boss de fin là au niveau du temple de Vishnu, et on avait donc voyagé avec le sorte de pan là, que vous voyez là, ainsi que le voyageur là, et on s'était fait attaquer par des sortes de démons là pendant notre envol. Et on était arrivé donc à cet endroit-là. Ah, donc là, on va découvrir la troisième zone du jeu. Et joue la musique. उसने उनका सरदार बनने की कोशिश की, लेकिन लेकिन उसे बहुत घमंड हुआ था। राजी को होशियार रहना होगा। अब भी उसने समझता होगा कि Ben, tendu lui. Voilà. Ah, ouf. मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। ना मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं। संतुलन बना रहना चाहिए। Non. Et ça va, calme-toi. Oh, esquive un peu, non? Ça passe. Déjà changer d'arme. Jamais tu tombes. Allez, go. Adieu.
Ben, c'est la série des... Oh, c'est la série des branches, non? Qu'est-ce qu'ils ont autour? Ils sont auréolés, là. Ah, qu'est-ce que je vais gagner? Ah, je vais pouvoir améliorer mes compétences. Donc, on va améliorer le feu. Et au niveau du feu, on a donc la boule, la brûlure tenace, permettent d'enflammer l'ennemi ciblé qui rebondit sur plusieurs ennemis et qui s'écrase sur le champ de bataille pour infliger des dégâts aux ennemis. On va améliorer ça, hein. C'est ça, voilà. Allez, parfait. Allez. Donc là, on passe par où, là? Non. Qu'il faut que je fasse, je saute. Ah, je saute là-bas. D'accord. Et ils aiment bien les racines, là, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Pour la fois je vois cet ennemi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils créent les trucs? Ah, et au bout d'un moment ils prennent vie. Alors, on va y aller plutôt. On va y aller plutôt comme ça, au moins on va faire le maximum de dégâts. Oh, oh, je vais mourir. Ah, j'aurais dû détruire les statues avant. Là, il faut changer du coup d'arme au fur et à mesure. Voilà, comme ça. Allez, réapparaît. Non? C'est tout, on peut y aller? Ça va, laisse-moi passer au bout d'un moment, non? Jamais quelle arme. Jamais où sont mes armes. Ah, oui. Là, j'ai plus de vie déjà. Allez, go! Ah, parfait. Ah, merde. C'est fini. Oh! Ah! Ça vient dur un peu, hein. Ah, faut tout refaire, là.
pourquoi tu n'as pas récupéré sa vie? Oh, arrête de te soigner! Ah, mais j'ai déjà plus de vie! J'ai déjà plus de vie! C'est pas de dégâts! En plus. Ça va, on a compris, allez. Je vous promets, ça se passe super bien. Je vais le défoncer, quoi. Ah, faut arrêter, je vais esquiver. Arrêtez aussi de me redonner une vie, quoi. Mec, ils arrivent, plus d'une vie. Et tu me files une vie, mec. Alors, au bout d'un moment, je me file pas une vie. J'en file moins un peu plus. Je comprends pas. Ça à côté, ouais. Ça fera
franchement, genre, c'est pas... C'est chier, les mecs. Heureusement que ça sera plus de façon tout le temps, hein. Ah, du coup, je te fais plaisir, hein. Pas là, mais ça va être tanké. Bon, ça c'est jamais très très compliqué, hein. Temple en bas. Il est joli ce temple en bas. Il est très beau en tout cas. Ah ben voilà, on appuie sur 11, ça descend plus vite. Ça va. Où allez-vous là? C'est beau ça. Ouf. Et le cul. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Et ouais. Comment tu veux faire, mec? Tu fais défoncer. Ça va, lâche-moi un peu d'angle, qu'est-ce que tu fais? Oh, d'accord, ok, tu te
fait attaquer par 10 mecs à la fois, quoi. Ah, c'est chaud. Détruire les maquets, hein, parce que je vois. Non. Ah vas-y toi, ah, ils sont trop chauds. Vas-y toi. Ah vas-y, ils sont trop chauds. Ah ils sont trop chauds. C'est bon quoi. De toute façon, je sentais pas. Mais qu'ils arrivent à 4 sur 3, c'est bon quoi. Comment tu veux gagner, mec? Franchement, comment tu veux gagner, quoi? Tu sens que tu arrives au dernier... Tu sens que tu arrives dans le dernier niveau, quoi. Faut arrêter. Le mec, ils arrivent, ils te défoncent la gueule. C'est même plus intéressant, quoi.
Pouf. Allez, meurs-là ! Bordille ! C'est une blague, c'est assez sketch. Et vous êtes pas petit, les mecs ! Non, mais faut arrêter ! Faut arrêter ! En plus, tu refais tout. Ah, ça va, quoi. Le bouclier et tout, il sert à rien. Faut arrêter. Tu t'envoies l'épée, le bouclier, la lance, tu envoies tout ce que tu as, ça sert à rien. On met déjà le pouvoir du feu, mec. Tu vas me le dégager parce que le pouvoir du feu, il sert à rien, je te le dis. C'est tombé, quoi. Donc voilà. Là, envoie-moi le pouvoir de la foudre, au bout d'un moment. Le pouvoir du feu, c'est le pouvoir de merde, ça encore. Pour la foudre. Hein. Ouais, mais faut arrêter, les mecs te shootent à trois, con. De loin, ils te shootent, faut arrêter. C'est compliqué. Thank you.
c'est pas grave, je suis mort, ça m'intéressait pas, c'est pourri ce que je viens de faire. Les gars, ils sont 8000. Regarde où tu viens de louer, les mecs, regarde ça. Oh, faut arrêter. T'attaques à 5. T'imagines 5 mecs qui te shootent de loin comme ça, que tu espères un moment de répit, tu peux même pas en placer une. En plus, elle est hyper molle, là. Franchement, faut arrêter, c'est... Allez, encore une fois dans la gueule. J'y arriverai pas, mec. Franchement, j'y arriverai pas. Je sais pas, en plus, dès que tu meurs, tu refais tout le combat. Rien que ça, ça me casse les couilles. Donc j'y arriverai pas, hein. Je vais me faire défoncer. Hein. Non, mais au bout d'un moment, faut gaspiller, quoi. Si t'y arrives pas, quoi. T'as besoin de partir du cul pour suivre droit, quoi. T'es mauvais, c'est pas grave, hein. T'arrives. Déjà, il t'attaque à 8. Ça commence. Mais le problème c'est qu'ils sont pleins de vie et qu'elle fait pas de cliché, qu'elle fait rien. C'est dingue d'être mauvais comme ça. C'est quoi ces armes de merde en plus? Mais je comprends pas, envoie des critiques, tu fais un peu des trucs dans ta vie. En penses-tu là? Ça risque de te faire tuer un peu, c'est aimé, hein? Que ça passe? Allez, attends qu'il est grave. Thank you.
on est à un contre un, ça va, tu vois. C'est quand tu te prends 4 ou 8 attaques dans la bouche, tu vois, qui fait que ça fait mal. Oh putain, alléluia! Alléluia! Ah non, mais j'en ai marre, c'est bon quoi! Rentre sur le bout. Ah oui, là-bas. Qui? Ah ouais, d'accord, ok, j'ai pas vu là. Ok, parfait. Oh, le temple des serpents, la bénédiction de Shiva. Ah, du coup, on libère le pouvoir de Shiva. Ok. Et c'est quoi ce pouvoir-là? Alors, veille sur vous avec l'élément du feu et l'élément de la glace. C'est pas mal, ça. Parfait. Ouais, c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Bon, après, il faudrait la développer, mais en soi, c'est pas mal. Après, c'est une question de la développer, ouais, parce que là, pour l'instant, elle n'est pas développée encore. Je vais y arriver. Encore pour l'instant, elle n'est pas développée. Donc. Ah, c'est beau. Ah ouais. Oh. Ah ouais, non, ça par contre c'est balèze. Rien que ça, ça c'est balèze. Ah, ça, ça me plaît, ça. Ah, je sais pas, tu vois, genre la foudre, soi-disant, tu électrocutes les ennemis. Merde, quoi. Tu électrocutes les ennemis ou quoi et tout. J'ai l'impression, j'arrive, t'as pas de vie. Ok. Tu arrives, tu brûles les ennemis. Pareil, t'as l'impression, j'arrive, t'as pas de vie. C'est un concept, hein. Là, par contre, la glace, le truc, genre, tu gèles les ennemis et le prochain coup d'après, genre, tu les détruis, quelle que soit leur vie. Je trouve ça bien, quand même. Voilà, ben, du coup, on va s'arrêter là, donc, pour cette vidéo. Bon, j'espère, en tout cas, que ça va vous plaire de m'avoir entendu rager, donc, sur ce combat-là, qui était quand même assez compliqué, compte tenu du fait que vous êtes... assailli de tous bords là, par différents ennemis, surtout ceux qui viennent à rusher là sur vous, là. Franchement ceux-là ils sont pas faciles, surtout quand ils sont à 3 ou 4 ou 5 même des fois, ben, vous attaquez en tous en même temps, hein. Vous n'avez pas trop le temps d'en placer une, ni de vous soigner, ni d'en placer une et tout, donc c'est quand même assez compliqué, si vous jouez au jeu vous verrez par vous-même. Mais voilà, en tout cas on a débloqué donc le nouveau pouvoir et le dernier pouvoir, donc à savoir l'élément de la glace. Donc qui fait référence donc à Shiva dans le jeu. Voilà, ben en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve du coup pour la suite des aventures de Radjis sur les prochaines vidéos. Bye bye.